Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, donc moi pour ma part ça va plutôt nickel. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve avec mon petit bijou. Voilà, le plan Turbo Tank. Le clan Turbo Tank, donc. Que j'avais fait une première vidéo il y a pas mal. Il y a 4 mois de ça. 2 mois, pardon. Voilà, et je n'avais pas fait de suite. Donc je m'excuse, je n'ai pas pensé, je n'ai pas pu faire la suite. Voilà. Donc du coup, je vais vous présenter ce clan Turbo Tank. Mais cette fois sans les personnages car ils sont un peu partout dans mon bordel. Donc il y a le Minara ici, on a Kulian Voss par là. Là ici, Kulian Voss. Voilà, donc ils sont un peu éparpillés un peu partout. Après, on a Cody et on a... On a le commandant gris qui est là et l'autre là-bas, bon, voilà. Du coup, je prends les droits, je sais pas, je sais pas. Et du coup, je vais vous le présenter plus en détail. Voilà ce petit bijou. Donc, c'est mon petit bijou, on peut dire ça. Voilà, donc, on va commencer tout de suite par l'arrière. Donc à l'arrière nous avons des tourelles, voilà, donc qui tirent. Donc attendez, on va faire ça. Attendez, ouais, bon, on va mettre ça comme ça. Donc voilà, elles tirent. Après on peut les remettre. Bon. Là, ça va être plus dur qu'autre chose. Voilà. Après ici donc on a une tourelle. Un truc pour guider le clan Turbo Tank de ce côté. Et pour guider la tourelle, voilà. Donc avec un truc, on a une petite tasse. Donc ça c'est dommage, ça ne peut pas s'ouvrir. Voilà. Ici on a un truc pour ranger les armes. On voit pas très très bien. Voilà. Ici après donc j'ai rajouté plein de couleurs rouges, donc c'est la couleur de la République. Donc vous ne saviez pas. Voilà, donc ici des petites vitres. Voilà, des petites vitres. Après ici on a une vitre que j'ai rajoutée. Un truc comme ça que j'ai rajouté, ça aussi je l'ai rajouté. Après j'ai rajouté ça, des trucs comme ça, des trucs d'aération. Voilà, après avec les gays ici, donc on a le petit truc pour le prendre comme ça. Voilà, ici on a la tourelle, donc on peut mettre un clone ici comme ça et il tire avec la tourelle. Ici on a un poste de surveillance en fait, donc ça se monte comme ça. Voilà, et puis là ça peut tourner. Au début je croyais que c'était une tourelle de combat. Voilà, mais non, c'est un petit poste de surveillance, donc je trouve ça plutôt pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas de grosse tourelle comme sur le la TTE, je crois que c'est ça, oui, avec les 6 pattes. Je sais plus si c'est lui la TTE. Voilà, donc ici on a une autre truc d'aération comme celui-ci là. Voilà. Et de l'autre côté, ici aussi. Donc ici, on a des trucs qui peuvent tirer. Bon, là, j'ai pas mis les canons. Voilà. Parce qu'en le prenant, je peux tirer sans faire tout. Voilà. Ça. Un autre de l'autre côté, ici, plein de couleurs rouges. D'autres couleurs rouges. Voilà. Ah oui, et je vous ai montré. Je vous ai pas... Bon, là, on va faire pour l'instant le tour du temps. Ici on a des couleurs rouges, voilà encore. Donc ici les vitrines, tac tac, de ce côté aussi. Ici on a quatre canons, donc ils peuvent un maximum se lever ici et descendre maximum. Donc ici ça sert un peu à rien de qu'ils soient comme ça, c'est plus comme ça ou alors comme ça là, ils tirent, voilà. Donc ici on a les roues blindées, bien sûr.
Voilà. Donc le truc, vous pouvez le prendre comme ça et forcer. Enfin, le lever, non. Vaut mieux le prendre par la poignée. Si vous bougez comme ça et forcez, ça va rien faire. C'est un vrai clan sur Botang. C'est le même dans la vraie vie. Voilà, donc les roues. Tout simple. Et donc, ici, le truc que je trouve plutôt pas mal, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, quand il tourne, quand il penche d'un côté, ben, du coup, les roues, elle tourne. Oula. Désolé, je vais tomber le téléphone. Ah, parce que c'est un téléphone que je... C'est avec un téléphone que je suis là maintenant. Voilà, et donc ici... les petites roues et le passage secret le plus puissant, je crois. Voilà. C'est ce petit trou. Attendez. Voilà. C'est ça. Donc c'est le truc le plus solide du clan sur Botan. Voilà, donc en fait dedans il y a plein de munitions et des bombes. Voilà, donc on voit pas très bien, il y a trois bombes et deux munitions. Voilà, donc avec des jumelles sur le côté qu'on voit pas bien. Voilà. Hop. Et hop. Donc normalement, ça, si je me trompe pas, c'est le point faible du tank. Ou alors que le point faible, ce soit... Je sais plus où il est le point faible de ce tank. Je connais le point faible de la TTE, mais pas de ce tank. La TTE, c'est entre les... parce que je sais pas si vous voyez, il bouge beaucoup. Et c'est entre les petits trucs où... Enfin, ouais, c'est dur à expliquer. Voilà. Donc après, ici, des petites vitres. Voilà, donc je vais faire le tour. Ah oui, et ici, des lampes. Ici aussi. Enfin, des lampes, des... Ouais, c'est des phares. Voilà. Oula, il manque un truc. Donc, attendez, je vais mettre en pause et je vais tout de suite. Bon, et ben, je suis désolée. Je le trouve pas. Donc, est-ce que je cherche? Oula. Le visière, qu'est-ce qu'elle fait là, la visière de colis? Donc, on peut voir le gros bordel là-bas. Tout à fait. Voilà, donc j'ai cherché partout. Donc, c'est ça qui manque en fait. Voilà, donc ça c'est pour ouvrir la porte. Enfin, dans le vrai c'est pour ouvrir la porte, mais sinon là ça fait rien. Moi j'ai en fait que ça balance des obus. Genre comme ça, ici, ça tourne et ça fait toum, 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 toum. Ça balance plein d'obus en fait. C'est genre d'un tiers. Après c'est dommage que cette petite tourelle elle peut pas se lever. Enfin, à part comme ça, mais là, du coup, c'est pas... Là, c'est pas trop... C'est pas trop... Enfin, voilà, quoi. Là, il peut se lever que de ce côté, comme ça. Mais ça fait pas réaliste. Donc, ici... voilà. Et on va passer à l'intérieur. Donc, je vous ai montré l'intérieur de ça, l'intérieur de ça. Maintenant, ça va être l'intérieur de cette grosse... De cette grosse partie. Alors, donc ici, on a la première porte, la deuxième. Et si on ouvre les deux portes... Les deux portes des côtés, voilà. Donc, normalement, ici, on peut mettre le petit truc là, comme ça. Mais je sais pas qu'il est pour mettre dans les boîtes. Voilà. Surtout cassé. Voilà, parce que moi, c'est plus la TTE qui me... dans la vidéo, enfin le clan sur Botan. Voilà, avec les persos. Voilà, donc une plaque, parce que dedans en fait j'avais mis des persos. Parce que je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas un transport de troupes. Normalement on plie ça et on range ça là-dedans. Et donc je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas de transport de troupes. Du coup ben, j'ai mis ça. Voilà. Et donc, on a bientôt fini. Donc, ici, le cockpit. Donc, avec... On a le... Un siège pour s'asseoir. Pour les commandes, voilà. Donc, pour les canons, je pense.
Bon, je dis que le canon, c'est lui qui commande quand il y a un mec ici. Après, sinon, quand il est tout seul, ben, c'est lui. Voilà, tout simplement. Voilà, ah oui, le petit défaut avec ce tank, c'est que les roues se défaissent. Non, je ne sais plus parler. Elles s'enlèvent facilement, on va dire. Alors, attendez, voilà, c'est bon. Voilà, et donc. Voilà donc ça le volant. Et après donc on va tout refermer. Je vais vous faire un petit tour du tank. Non, déjà de l'intérieur, je vais tout ouvrir en l'intérieur. Là, 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 le siège, la cabine pour la tourelle, caisse de munitions, transport de troupes. Ici donc voilà siège pilote siège passager et voilà et là je vais vous faire un petit tour du tank en lui-même quoi et voilà donc le voilà un petit tour donc tourelle voilà donc canon laser encore cabine canon une petite queue rouge la poignée là voilà rangement voilà tourelle cabine. Voilà, donc après il roule plutôt facilement. Comme vous pouvez le voir, il tourne facilement aussi. Après quand on joue, qu'on a un peu du mal à le faire tourner, on a tendance à faire ça des fois. Donc les deux. Voilà. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir ma chaîne secondaire. Donc c'est Star Wars Man, donc j'ai mis qu'une vidéo, hein. Ou deux, je sais plus, parce qu'il me semblait que la première vidéo, quand je l'ai faite, je l'ai mise en... je l'ai pas mise en ligne, mais je l'ai mise en... il me semblait que je l'avais mise privée, voilà. Du coup, j'en ai refait une autre, sauf qu'elle était... Elle était carrément mais pas privée quoi. Du coup, ben allez voir, allez vous abonner. Donc j'ai qu'un seul abonné, je sais pas qui c'est. Voilà, donc je le remercie. Voilà. Donc je sais même pas qui c'est. Donc voilà, je vous remercie. Donc ouais, allez vous abonner. Laissez un pouce bleu à cette vidéo. Allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, ben moi je vous dis ciao à tous. Oula, à plus, bye bye, c'était NotCool. Bisous.